Il faut que je lui parle. Je viens pour le Pancras. Tu plaisantes? Il ne nous manque qu'un combattant, et c'est Esticles. Il a eu quelques soucis, disons, d'estomac. C'est moi qui le remplace. Très bien, très bien. Tiens-toi prête à combattre. C'est un fait sans précédent, mais si le Pancras est annulé, il y aura une émeute. Très bien. La compétition va commencer. C'est le moment. Bienvenue à tous. Partagez mon enthousiasme et découvrez Callias, ancien champion du stade et aujourd'hui l'un des juges les plus estimés à Olympie. Mes amis, c'est un honneur pour moi d'ouvrir une épreuve aussi chère à mon cœur, le Pancras. Je ne m'étendrai pas davantage, nous sommes tous impatients de voir de l'action! Pour Zeus, que débute cette épreuve! Je vais t'écraser comme une punaise! Allez, là! Ce n'est pas juste! Un coup magique! Ça fait mal! Tiens, on paronne moins, maintenant! Oh non! Pitié! Au nom des dieux! C'est tout ce que tu sais faire? Oh, ce n'était que le début! Quoi? Maintenant que notre concurrente s'est échauffée, voyons de quoi elle est capable face à Erastos! Bonne chance! Des yeux, et tu verras les étoiles. La foule t'adore, mais ce n'est pas encore fini. Pas fini? Une belle offrande aux dieux! Vous ne trouvez pas? Nous nous retrouverons bientôt
pour le dernier combat. La magnifique et puissante Cassandra contre le champion en titre, Dorieus. Oh. Incroyable! Je vais devenir le compagnon d'une championne olympique! Oh! Tu es encore meilleur au corps à corps que moi. Ah, si Socrate était un partenaire plus souple. Alcibiade, tu te sens bien? La fête avec mon ami Démophane et Callias. Des juges très respectés. Trop de vin, c'est ça? À croire que tu as bu à la coupe de Médée. La coupe de Médée, tu crois qu'on l'a empoisonnée? Tu as fait la fête? Ce sont les Jeux Olympiques. Tout le monde fait la fête. Nous étions au Léonidaïon. Si tu as été empoisonné, je dois trouver ces juges. Empoisonné? Tu crois qu'ils l'ont été aussi? Non, jamais. Ils sont honnêtes, c'est impensable. Ils organisent toujours une fête pour les Jeux en l'honneur de la trêve sacrée. Reste avec lui. Je vais découvrir ce qui s'est passé. Tends-moi un rameau d'olivier et je prendrai toute l'olivret. Je vous trouverai tous. La trêve est déjà si fragile. C'est sans aucun doute du poison. Et Alcibiade n'a pas été la seule victime. Voilà la preuve, le poison. Il a dû être versé dans les plats et dans le vin. Une odeur étrange, mais pas celle de pourriture. Une liste de victuailles pour la fête. Et le nom du marchand. Ce Priam mérite une petite visite. Le sanctuaire d'Olympie. C'est là que s'affrontent les plus grands athlètes pour la renommée et la gloire. Maintenant,
On va avoir une petite discussion. Je t'en prie, sois raisonnable. J'ai simplement fait ce qu'on m'a dit. Ce n'est pas toi qui m'intéresse, mais celui qui a donné l'ordre. Je ne sais pas qui c'est. Je croyais qu'il voulait simplement fausser la course, mais quand j'ai vu ce qui arrivait à ces gens, j'ai compris que c'était du poison. Mon ami Alcibiade, je dois le sauver. Tu trouveras probablement de l'antidote au fort Koroibos. Celui qui a fait ça va payer. Toi, disparais. Et si jamais je te revois... Oui, merci. Voyons ce que je sais faire avec une arme. Avance. Probablement l'antidote. Si je veux éviter un combat, je dois rester caché. Ah!
voir quelque chose bouger là. Alors, aucune trace. Personne ne peut disparaître. On va la voir. Elle est toujours là. On l'aurait déjà vu. Tiens, j'ai l'antidote. Ah, donne-moi du vin pour chasser ce goût infâme. Un remède digne d'Hippocrate. Je sens monter toute mon énergie. Tu ne dois pas te rendre à l'épreuve de Pancras. Allons-y. Chi mi te?
Ton prochain adversaire est Dorieus. Il prétend descendre d'Héraclès en personne. Je suis prête. Tu as déjà affronté un champion olympique ? Non, mais je suis arrivée jusqu'ici. Je doute que tu sois prête. Par Zeus, tu n'es même pas huilée. Assez parlé, passons au combat. Bon, finissons-en. Pour Héra. Cette nouvelle venue a su s'élever rapidement au rang de prétendante. Voyons maintenant de quoi elle est capable face au champion en titre, Dorieus. Victoire ! Nike soit loué ! Les dieux ont été bien disposés envers ces champions. Mais il ne peut y avoir qu'un vainqueur. À toi, la gloire éternelle. Cassandra, je t'en prie, si ces idiots violent la trêve. Voleur ! Tu peux parler ! Espèce de sale traître ! Personne ne veut d'ennui ici. Vous savez ce qui se passe si la trêve n'est pas respectée. Maintenant, si quelqu'un veut bien m'expliquer... Cette espèce de chien galeux sans honneur m'a volé ! Tu me traites de voleur ? C'est toi le voleur ! Assez ! C'est moi qui pose les questions. Hérodote, de quoi s'agit-il ? Ce chien m'a volé ! Chien galeux ? Moi ? Je viens d'une famille honorable ! Il n'y a que les Ioniens qui volent ! Je parle à Hérodote. Oui, il semble que leur trésor ait été ouvert et qu'on leur ait volé des objets de valeur. S'il y a eu vol, pourquoi vous soupçonnez-vous l'un l'autre ? Parce que ce... C'est une affaire de sang. Makkar est d'une grande lignée d'Oriennes, de puissants guerriers, mais assez austères. Tandis que l'Elex est d'origine ionienne,
avec une importante tradition d'artistes et de philosophes. De débauchés, plutôt. Tout le monde a la parole. Comme en Yoni, oui. J'ai du mal à croire qu'ils aient pu se voler en même temps. Il faut que tu trouves qui leur a pris leur argent. Un vol mutuel est improbable, tu as raison. Ils se détestent, mais ils ont toujours respecté la trêve olympique. Je vais découvrir ce qui s'est passé et protéger la trêve. Si tu prouves que c'est Makkar, je te récompenserai. Si tu apportes la preuve de la duplicité de l'Elex, moi aussi. Et si ce n'est pas l'un de vous? Alors, les deux te récompenseront. Très bien. D'accord. Tu as vu quelque chose? Non, rien. Rien du tout. Et même moins que rien. Donc, tu as vu quelque chose? Eh bien, seulement si on compte les torches. Elles ont approché comme des spectres. Il devait bien y en avoir une trentaine. Des torches ont approché de toi? Et s'il y en avait 30, pourquoi ne voit-on pas leurs traces? Des sandales en daim très souples, ça ne laisse pas de traces. Et puis... difficile de dire combien ils étaient, j'étais assommé. Dis-moi la vérité ou je t'arrache la peau. C'est toi le voleur? Non, je t'en prie. Écoute, ce n'était pas moi. Je me suis endormi, je n'ai rien vu, à part les torches. Et tu n'es pas allé voir? Je ne voulais pas partir d'ici. Mais on t'avait déjà volé. Peut-être, mais si j'étais parti, on m'aurait accusé de désertion. Très bien, je te laisse reprendre ton travail. Ces cryptes ont été ouvertes, mais il n'y a pas de traces d'effraction. Un message. Prends tout ce que tu pourras et retrouve-moi aux ruines, là où nous avons succombé à la chair. Nous serons bientôt libres. J'ai entendu parler de ruines hors de la ville, et... d'après le garde, les torches allaient dans cette direction. J'ai trouvé quelqu'un qui vole. Très bien, les voleurs. Je vous ai enfin trouvé. Pitié, nous ne sommes pas des voleurs! Mais vous êtes ici avec des biens volés. Tu ne comprends pas. Ils nous appartiennent. C'est notre héritage. Comment tout cela pourrait-il être à vous? Ça appartient à nos familles. Et par le sang, ça nous revient. Si c'est déjà à vous, pourquoi ne pas attendre? Pourquoi voler ça maintenant? Nous voulions une nouvelle vie.
où nous pourrions être libres, sans devoir nous aimer en cachette. Vous êtes qui, au juste? Elle est ma fille, et c'est son fils! Père! C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir élevé? En t'enfuyant avec une femme qui est la fille de mon ennemi! Ce vol vous a rapproché, Lelex, Makkar. Vous avez coopéré afin de savoir ce qu'il était advenu de votre argent. En réalité, le garde nous l'a dit. Et sa famille m'a pris mon argent! Comme la tienne a pris le mien! Mais pensez à ce que vous pourriez faire en travaillant ensemble. Tu es Mystios! Fais ton devoir et tue ces voleurs! Je te verserai une jolie somme. Père, non! Je suis d'accord. Je te donnerai autant que Makkar. Fais ce pour quoi on t'a engagé. Vous tueriez vos fils et filles respectifs? Nous avons d'autres enfants. Alors, tu es une Mystios ou pas? Je ne tuerai pas d'innocents. Pour l'avenir de votre famille, c'est vous qui devez disparaître. Je n'ai pas voulu tout cela. Mais nous allons pouvoir bâtir un autre avenir pour nos familles, fondé sur l'amour. Je vous souhaite bonne chance. Mystios, ça te dirait de connaître ton avenir. Merci.
J'aimerais savoir ce que les Moires ont prévu pour moi. Tu veux ? Bien sûr que tu veux. Tout le monde veut entendre les prédictions du grand Ouzo. Bon, ça vient ? Je vois de grandes choses. Des choses ? Tu sais, des choses. Et on aura du soleil demain. Voilà, merci. Parle-en à tes amis. La peste soit de ces jeux. Tout le monde cherche à gagner de l'argent. Malaka, ma bourse ! Hé ! Reviens ! Voleuse ! Hé ! Voleuse ! Elle ressemble à Phoebe. Et elle est aussi douée. Il faut que je la trouve. Une voleuse des rues, comme Phoebe. Tu m'as fait courir, mais je t'ai rattrapé. Donne-la-moi. De quoi tu parles? Te donner quoi? Ma bourse. Rends-la-moi. Tiens, mais ne me fais pas de mal. On m'y a obligé. Je voulais pas, je te le jure. Arrête. Je ne te ferai pas de mal. C'est promis. Le capitaine me fera mal. Le capitaine ? Oui. C'est lui qui nous oblige à faire ça. Nous ? Les autres enfants des rues. Pourquoi il vous demande de voler ? Pour l'argent, idiote. Tu devrais être plus polie avec les adultes. Pourquoi ? Ils font quoi pour moi, les adultes ? Oui, je vois. On dirait que ce capitaine a besoin qu'on lui dise deux mots. Ne lui dis rien. Frappe-le ! Il m'a même pris le collier de ma mère en disant qu'il me le rendrait si je volais pour lui. C'est tout ce qu'il me restait d'elle. Je vais t'aider à récupérer ton collier. Pourquoi tu ferais ça ? Tu me rappelles quelqu'un que j'ai bien connu. Allez, on y va. Voler de quoi manger. Ah, si tu ne les nourris pas, ils seront trop faibles pour s'enfuir avec leur butin. Et s'ils se comprennent, tu devras en former d'autres. Tu veux que je leur donne ta part? Hey, je devrais que je te parle pour pouvoir loin. Être le collier de Maya, ce Malaka le garder sur lui. Je dois retourner voir Maya.
J'ai quelque chose pour toi. Merci, merci, merci! Qu'est-ce qui est arrivé à Alopex? Tu sais, celui qui t'a distraite pendant que je prenais ta bourse? Je l'ai épargné. Il a promis de vous aider, toi et les autres. Bien, je l'ai toujours bien aimé. Il partageait sa nourriture avec nous et il nous défendait quand l'Athénien se mettait en colère. Ça va aller. Prends soin de toi. Merci de nous avoir libérés de l'Athénien. Maintenant, on peut garder tout son vol. Tu fais honte au jeu. Je t'en prie, je peux t'expliquer. Pas d'excuses. Tu connais le prix de ta transgression. Quel crime cette femme a-t-elle commis? Ta question le résume. Son crime est d'être une femme. Je ne savais pas que c'était un crime. Tu devrais peut-être aller dans une cage, alors. Je suis la prêtresse de Déméter. C'est moi qui préside au jeu. Elle a essayé d'y assister alors qu'elle est une femme mariée et déguisée en homme, qui plus est. En quoi est-ce donc un crime? Pour une femme mariée, il y a trop de tentations. Qui es-tu? Kallipateira. Je voulais seulement voir concourir mon fils. Ma famille participe depuis longtemps aux Jeux Olympiques. Mon père, mes frères, mon neveu et mon fils ont tous gagné des couronnes. Enfin, je n'ai pas le droit de les regarder. Arrête de mentir! Elle ne mérite pas d'être punie ainsi. Ça, ce n'est rien. Le vrai châtiment, c'est la mort. Elle sera jetée du haut de la montagne. Aide-moi. Prouve que j'ai le droit de voir concourir mon fils. Tu n'as aucun droit. Tu as brisé une tradition sacrée et tu vas en subir les conséquences. Tes lois sont mauvaises et je vais le prouver. Puisque tu tiens tant à prendre sa défense, je vais te laisser une chance. Apporte-moi une preuve de la noble lignée de Kallipateira. Sinon, elle mourra conformément à la loi pour apaiser les dieux. Il faut que je trouve le fils de Kallipateira. Il devrait pouvoir prouver l'innocence de sa mère. Tu connais Kallipateira? Ma foi, pas très bien. Mais elle adore son fils et elle fait toujours des offrandes. Des offrandes? Pour son mari. C'est une femme très pieuse. Il a depuis longtemps franchi le Styx et il lui manque terriblement. Mais la mort vient pour tous. Merci, tu m'as été d'une grande aide. Tu connais Kallipateira? Oh, je l'ai vue, oui. Toujours à traîner près des tentes des athlètes. C'est assez déplacé, si tu vois ce que je veux dire. Je n'en suis pas sûre. Tous ces jeunes corps fermes et huilés, ça donne des frissons. Les muscles, les poils, oh, c'est dégoûtant. Et c'est une femme mariée, en plus. Il n'y a pas de mal à regarder un homme bien fait. Mais si, si! Vous, les jeunes, vous pensez sans cesse avec votre entrejambe, et elle tout autant. Je l'ai vu retrouver un homme sur ce banc, là-bas, presque tous les jours. Tu l'as vu retrouver un homme? Merci. Le poème Diagoras de Rhodes, dédicacé par Pindare en personne. Sois toujours fière, petite. Ton père est le plus grand des champions de Pancrace. Je cherche le fils de Kallipateira. Tu le connais? C'est bien, oui. C'est moi.
Ta mère m'a dit que tu participais aux Jeux Olympiques. Comme mon grand-père, le grand Diagoras sans personne. Heureuse de l'apprendre, mais il y a autre chose. La prêtresse de Déméter a accusé ta mère de sacrilège. Comment va-t-elle? Qu'est-il arrivé? Pour l'instant, elle va bien. Elle s'est faufilée dans le stade pour te voir, et j'ai besoin de prouver qu'elle avait le droit de le faire. Si quelqu'un en a le droit, c'est bien ma mère. Ses frères étaient des champions, comme je le suis moi-même. Personne n'honore autant les jeux qu'elle. Merci. Reste là, et je me charge de prouver que ta mère avait le droit de suivre les jeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai toujours désiré. Kallipateira a un admirateur. Cette prêtresse semblait pressée de rendre sa sentence à propos de Kallipateira. Il faut que je les trouve. Aujourd'hui réunis pour accomplir la volonté des dieux, pour rendre justice. Je t'en prie, il faut me croire. Attends. Tu as trouvé la preuve que tu cherchais? Oui, Kallipateira est la fille de Diagoras. J'ai trouvé le poème sur Diagoras de Rhodes, dédicacé à sa famille par Pindare. Et ça prouve ses dires? J'ai parlé à son fils, et à des gens qui la connaissent. C'est une femme digne, qui aime les jeux et respecte les dieux. Sa famille compte 3 générations de champions. Peut-être l'avons-nous jugée trop durement. Sa famille a contribué à l'héritage olympique. Comme tu le dis, ce serait une honte de salir un nom si prestigieux. Les dieux te pardonnent. Va. Merci. Merci. Et merci à toi. Personne ne mérite un tel sort.
Ah, c'est un plaisir de te voir. Ta beauté vient illuminer l'obscurité qui est devenue ma vie. Contente de te voir aussi, Phidias. Bon, c'est important. Personne ne t'a vu venir ici, n'est-ce pas? Non, pourquoi? Tu es sûr de ne pas avoir été suivi? Bien, bien. Mais ils sont là, à observer, à attendre. Qui te cherche? Le culte de Cosmos. Tu te rappelles Athènes? Il n'a jamais cessé de me traquer, Cassandra. Pourquoi s'intéresserait-il à toi? Il veut ma mort. M'amener ici ne m'a apporté qu'un bref sursis. J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es en danger? L'autre jour, j'ai reçu une citale et un message. Quelqu'un t'a envoyé un bout de bois et une note. Effectivement, je comprends ta frayeur. Oh, mais c'est beaucoup plus que ça. Qu'a-t-il de si spécial, ce bâton? Ce n'est pas un simple bâton. Les Spartiates utilisent la citale pour envoyer des messages codés. D'accord, et dis-moi plus sur ton bâton. Citale! Oui, 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 citale. Il faut que je trouve le code. Ensuite, je t'expliquerai le fonctionnement. Que disait le message? Il disait, tourne-toi vers ton art. Le roi des dieux te transmet sa volonté. Eh bien voilà, ce n'est pas un message. Ce n'est qu'une énigme des plus médiocres. Mais c'est évident, le roi des dieux. Zeus? Oui, et que suis-je? Oh, les réponses ne manquent pas. Mais j'imagine que tu es un sculpteur. Exactement. Alors, où dois-je me rendre? Au temple de Zeus, bien sûr. Il est ici, à Olympie. L'indice relatif à la citale doit être près de la statue. D'accord. Si ça peut te rasséréner, je vais t'aider. Merci. Va vite examiner la statue de Zeus dans son temple afin de trouver le message. Lorsque j'aurai l'indice, je pourrai le déchiffrer avec la citale. Ne t'inquiète pas, je reviens le plus vite possible. C'est sûrement ce que cherchait Phidias. Phidias s'inquiète trop, mais il n'a peut-être pas totalement tort. Une qualité incroyable! Bien mieux que la statue de Kefalonia. Je dois retourner voir Phidias pour qu'il déchiffre le message. Alors, que contenait le message? Il t'a fourni les informations que tu cherchais? D'une certaine manière. Le message que tu m'as remis, je l'ai enroulé autour de la baguette. Autour de ta baguette? Oui, la citale. C'est ingénieux. Le bon message pour la bonne baguette. On enroule l'étoffe autour et les lettres s'alignent, révélant le message. Oui, c'est fascinant. Mais qu'est-ce qu'il contient? Ce sont des lieux! Je t'en prie, ne me fais pas languir. Qu'est-ce que ça dit? C'est une liste de statues et il y a autre chose, mais c'est incomplet. Tu crois qu'après avoir visité toutes les statues, on disposera du message complet? J'en déduis que oui. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour que tout cela reste secret.
Peut-être que ça dévoilera l'identité de ceux qui cherchent à m'éliminer. Tu veux bien m'aider ? Dis-moi ce que je dois faire. 3 lieux sont indiqués. Chacune de ces régions abrite une statue d'un certain renom. Donc normalement, sur chacune de ces statues, on trouvera un indice. Oui, mais le voyage sera long. Ces statues sont loin les unes des autres. Il y en a une près de Citer, une à Thasos et une autre à Samos. Quelle statue dois-je trouver à Citer ? Ah, cette île, le lieu de naissance de la déesse de l'amour. Ce que j'aimerais t'accompagner là-bas. Donc il serait logique d'y chercher Aphrodite. Exactement. L'île se situe à l'extrémité sud-est du Péloponnèse. Tu découvriras ce que nous cherchons au pied d'Aphrodite. Qu'y a-t-il à Thasos ? Ah, une statue très controversée. Ce ne peut être que celle de Théagène, originaire de cette île du Nord. Théagène ? Le héros olympique ! On va jusqu'à dire qu'Héraclès lui-même était son père. Il a été magnifiquement immortalisé par le sculpteur Glaucias d'Égine. Quelle statue dois-je trouver à Samos ? Eh bien, ce n'est ni sur Samos ni sur Lesbos, mais sur une petite île nichée entre les deux. Au cœur de la mer, pourrait-on dire. Dis-moi plutôt ce que représente la statue. Mais Poséidon, naturellement ! On a l'impression de voir le dieu en personne retenant les vagues. Je dois me mettre en route. Ça promet d'être long. Bien sûr. Et j'ai hâte de savoir où cela va nous mener. Tout comme moi. Sois prudent, Phidias. Toi aussi. Et reviens me voir dès que tu auras tous les indices. Sache que tu peux compter sur moi. Ce ne sera pas une tâche facile. Le contenu de ces messages doit être important. Venez parier ! Allez, venez parier avec moi ! Allez, Tess va vous faire gagner une montagne de drachmes. Tu devrais travailler tes annonces. Tu attirerais davantage de clients si tu avais l'air plus enthousiaste. Tout le monde parie contre Pithécos. Il paraît qu'il n'est plus en forme. Et si c'est vrai, je vais être ruiné. Je pourrais m'occuper de son adversaire. Si tu paies bien. C'est tentant, mais non. Enfin, pas cette fois. D'accord. Qu'est-ce que tu as en tête, alors ? Contente-toi d'aller voir ce qui ne va pas. S'il y a un moyen de l'aider à gagner. Pour Athènes. Pour l'argent. Je vais aller voir ce Capitécos. Merci. Si tu réussis à arranger ça, je partagerai les gains avec toi. Pithécos, Alétès m'envoie pour que je t'aide. C'est vrai ? Tu sais faire des merveilles ? Ça m'arrive. Mon javelot porte-bonheur est cassé. Tu peux le réparer ? Tu n'es pas censé utiliser les javelots officiels ? Si, mais c'était mon porte-bonheur. Je ne peux pas gagner sans lui. La superstition doit être une habitude chez les athlètes. À vouloir trop plaire aux dieux... Écoute, mon javelot était creux, comme un roseau, et presque aussi léger. Mais il ressemblait à un modèle olympique. Si tu veux vraiment m'aider, apporte-moi un identique, et je gagnerai les Jeux pour Athènes, et pour Alétès. Où vais-je trouver un tel javelot ? Eh bien, tu pourrais en acheter un, j'imagine. Est-ce que les autres athlètes olympiques ont des javelots spéciaux ? Peut-être. Ne t'en fais pas, je vais t'apporter un javelot. Merci. Il me reste peut-être une chance de gagner. Tu vends des javelots ? Bien sûr !
Tu as de la chance, il m'en reste quelques-uns. Avec les jeux, ils se vendent très bien. Mais est-ce qu'ils sont bons? Ce sont les meilleurs. Ils volent droit et loin. Mais ils coûtent cher. Je vais en prendre un. Merci. Et puisse-t-il aller loin? Je t'ai trouvé un javelot. Bien, montre-moi ça. Tiens, prends ça. Hé, hey, ce javelot est incroyable. Léger, facile à manier, et surtout, il ressemble au vrai. Ravi d'avoir pu t'aider. Que Nick et t'accompagne, l'ami. Il faut que j'aille voir à l'étesse. Ah, te revoilà. Alors, c'est réglé? Bien sûr. Excellent. Que dirais-tu de parier sur notre homme, alors? Je n'ai pas l'habitude de parier, mais pourquoi pas? Non, ça se voit. Si tu veux miser aussi peu, tant pis pour toi. Ne rate pas l'épreuve. Je te verrai parmi les spectateurs demain. Où étais-tu? Tu as tout raté! Regarde ça! Quel lancer prodigieux! Dès lors que j'y gagne, tout va bien. Maintenant, paie-moi.
Minotaure. Tu connais l'histoire ? En partie. Aisé, les héros athéniens. On n'en faisait pas vraiment l'apologie, n'est-ce pas ? Mais c'est une épopée ! Des Jésus aventurés dans le labyrinthe pour tuer le Minotaure. Une tâche à suivre. Il a triomphé et sauvé la population de Minos. L'impression que tes et moi portons le même. Allons, Cassandra ! Les dieux sont de ton côté ! Quand tu auras accompli ta tâche, nous ferons retirer un agneau, nous boirons du vin, et je te raconterai toutes mes histoires. Je suis contente de t'avoir auprès de moi. Et moi béni d'être en ta compagnie, quelque chose à remonter. Préparez vos avirons. Moins vite, les rameurs. On attend ton retour, capitaine. Le sculpteur a réussi à retranscrire la beauté d'Aphrodite.
Je parie qu'on vient de partout pour vénérer Aphrodite. La vie est cruelle. J'ai une solution à vos soucis. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est l'aventure, le frisson, le danger, et aussi des richesses inouïes. Le danger? Je ne recule devant aucun défi. Alors approche, éprouve-le en ouvrant ta bourse, car ce genre d'offre ne se présente pas tous les jours. Je t'écoute. Un peu de discrétion, Mystios. On ne peut pas laisser n'importe qui savoir qu'une fortune attend quelque part. Mais avant, toute chose a un prix. Paix, et je te remettrai une tablette contenant tout ce que tu dois savoir. Tiens, prends. Excellent. Voilà pour toi. Crois-moi, cette tablette te mènera à des richesses inouïes. Quoi? Mais dis-moi où... Tout est sur la tablette. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde cette tablette et suis les indications, Mystios. Moi, j'ai rempli ma tâche. Ta récompense t'attend au large de la côte est de Citer, sur l'île de Diakovite. Oh, Pédocle, tu touches mon produit. Bon, qu'est-ce qui se passe? Oh, Pédocle, sois loué! Une Mystios! Je n'ai rien fait de mal, mais ces prêtresses m'en veulent! Je t'en prie, mon dieu est puissant, très puissant et riche! Son dieu ne vaut rien. C'est un chancre impie sur les terres sacrées d'Aphrodite, où seules les prêtresses doivent officier. Tu as dit riche? Oh oui! Oh, Pédocle récompense ceux qui répondent à son appel. Ces prêtresses l'ont enfermé dans le fort. C'est un dieu. Il mérite d'être vénéré. Il ne m'a pas l'air bien puissant, ton dieu. Comment peux-tu? C'est impossible de garder un dieu enfermé. Il tuerait ceux qui tenteraient de le faire. Empédocle n'est pas ce genre de dieu. Ce n'est surtout pas un dieu. Tes mots sont une insulte à la volonté d'Aphrodite. Si ces prêtresses parlent pour Aphrodite... Alors, je parle au nom des trois têtes de Cerbère. Bon, alors je vais sauver un dieu, apparemment. Comme tu voudras, Mystios. Mais même toi, tu ne peux pas être partout à la fois. Ça va aller. Il y a autre chose que tu voudrais savoir? Où est-ce que je vais trouver ton dieu? Il a été enfermé dans une cage de la baie de Scandeia, avec le bétail. C'est une insulte pour n'importe quel dieu. Et encore plus pour un dieu végétarien. À quoi le reconnaîtrais-je? Ce n'est peut-être pas le seul prisonnier. Les gardes l'ont dénudé. Et lorsque tu seras face à son don, tu ne douteras pas de la nature divine d'Empédocle. Son don? Disons que tu comprendras quand tu le verras. J'en sais assez. Je vais libérer ton Empédocle. Ne t'inquiète pas. Il est là-bas. Voilà le camp de Murex.
sais te battre. Oui. Croyez-vous, faibles humains, on ne peut enfermer le grand Orphidon. Libérez-moi. Et je vous offrirai une audience avec les dieux. Vengez vos dieux, Dieu ne saigne pas. Alors, rendez-moi vos lames. Ne percez pas mon divin phallus. Cher. Inutile de me remercier de t'avoir sauvé. Tes drachmes sauront le faire pour toi. Moi ? Te remercier ? Ici ? Sans public ? Non, 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 mon héroïque ami. Ce n'est pas l'endroit. Il manque à notre spectacle l'ingrédient essentiel. Le public. Retrouve-moi près de ma statue et on continuera. Nos pratiques sont différentes d'où je viens. On ne tue pas un homme pour ses croyances. On fait preuve de respect. Le respect dû aux dieux. Pas à ceux qui prétendent en être un. Le monde est plein de querelles, certes, mais aussi d'amour. Acceptez-le. Acceptez-moi. Je vous présenterai personnellement à ma famille. Les dieux. S'il suffisait d'être enfermé tout nu pour être un dieu, il n'y aurait plus de place au Panthéon. En Pédocle est peut-être un dieu, peut-être pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne bat pas à mort de jeunes hommes. Je te suivrai avec fierté. Frères et sœurs de Cythère, rejoignez-moi. Tu crois que cette trahison envers Aphrodite restera impunie ? Tu ne crois peut-être pas à ma divinité, Mystios. Mais je pense qu'il y a du divin en toi. Et ça, ça peut nous être utile. Même un dieu ne travaille pas gratuitement. Bien sûr. À quoi d'autre dépenserais-je mes drachmes ? En vêtements ? Des vêtements te seraient utiles. Ah, t'as seulement peur. De ma vraie nature. Mais il y a autre chose dont nous devons discuter. Je vais t'aider. On n'a pas tous les jours l'occasion d'aider un dieu. De mon calibre ? Jamais. Viens, ma musculeuse amie, viens. Nous avons à parler. Bon, écoute-moi. Mais je ne fais que ça, mon ami. La ressemblance est terriblement saisissante. Tu ne trouves pas ? Terriblement, oui. Qu'est-ce que tu veux ? Un dieu n'a pas besoin d'aide. Mais bon, d'accord. J'ai quelques ennuis avec mes frères et sœurs. Les dieux ? Des histoires de famille. À mon arrivée sur Cythère, on m'a emprisonné pour mes croyances. On m'a pris ma cape pourpre, qui contient un disque très spécial. La clé du domaine familial. Et tu veux récupérer le disque ? Bien sûr ! Ce disque est une clé. La clé qui ouvre la porte vers les dieux. Ce disque doit m'être rendu.
Tu as dit que ce voleur s'en était pris à toi sur le quai. Tu sais où il se trouve maintenant ? Il patrouille les routes de Citer avec ses gardes, mais il aime s'attaquer aux nouveaux arrivants. À ta place, je chercherai près des quais. À quoi ressemblent tes frères et sœurs divins, Empédocle ? Oh, ils sont doux, mais aussi querelleurs. Une fois, ils m'ont surpris en train de manger de l'agneau et ils m'ont chassé. Mais de toi à moi, cet agneau, il en valait la peine. Les dieux ont sûrement mieux pour se protéger qu'une porte qu'on ouvre avec un disque. Oh, mais attends de voir cette porte, Mystios. Elle est bien trop belle pour être l'œuvre de simples mortels. Et j'entends mes frères, j'entends mes sœurs. Ils m'invitent à entrer par-delà cette porte. Les dieux n'aiment pas attendre. La patience ne fait pas partie de nos vertus. Alors, tu vas m'aider ? Ce disque a l'air important. Je vais trouver celui qui te l'a volé et te le rapporter. Trouvé. Quel pas assuré ! Quelle confiance ! Si je ne savais pas ce qu'il en est, je dirais qu'il y a deux dieux à Citer. J'ai retrouvé ton disque. Loué sois-je ! Je t'ai clairement inspiré, on dirait. Oui, clairement. On peut aller voir les dieux ? Je serais ravi de te présenter à ma famille. Du moins, si tu es prête à te joindre à moi. Ça devrait être intéressant. Ça, ma chère Mystios, je peux te le garantir. Un instant, que je m'adresse à mon public. Réjouissez-vous, car moi, votre dieu, je vais vous présenter à mes frères et à mes sœurs. Athéna t'attend. Toi, Arès veut te recevoir. Toi. C'est une promesse de taille. Tu doutes de moi ? Je doute que tu puisses nous mener à la mer. D'ailleurs, elle est derrière toi. Comment oses-tu ? Je suis un dieu ! Un dieu ! Je suis quoi ? Un dieu ? Merci pour l'explication. Nous partons pour le golfe de Corinthe et tous les secrets qu'il recèle. Retrouve-nous là-bas et tu verras par toi. Et rencontrer ta petite famille ? Compte sur moi. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as tué mon fils ! Une Mystios ? Tu dois payer pour ce que tu as fait. Je n'ai pas tué ton fils. Ce n'est pas moi. Ce sont les dieux qui t'ont envoyé m'aider, n'est-ce pas ? Ce crime ne restera pas impuni. Dis-moi ce que tu veux. Némésis a entendu mes pleurs. Qu'est-ce qui se passe ? Mon fils a été tué à l'entrepôt de Murex, le crâne fendu comme une figue. C'est le dirigeant de Citer. Je les ai entendus se disputer dans l'entrepôt. Alors pourquoi ne l'as-tu pas arrêté ? Tu mens ! Va à l'entrepôt et découvre qui a tué mon fils, Mystios ! Justice doit être rendue. Le meurtre de ton fils ne restera pas impuni. Quelle preuve as-tu contre le dirigeant de Citer ? Ton fils s'amusait avec les filles du dirigeant ! Toutes les quatre ! Ses filles ? Je le lui avais interdit.
Je lui avais dit que le dirigeant était dangereux et rancunier. Il s'est laissé aveugler par leur richesse. Va au fort, tu trouveras les cadeaux qu'elle lui a offerts. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il est coupable ? Nous l'avons accueilli et nous lui avons donné du travail. Mais il n'a fait que nous voler. Alors, mon fils l'a renvoyé. Oui, j'ai volé. Mais je ne ferai jamais de mal à personne. Tu lui as fait du mal en le trahissant, Malaka. Ça ne veut pas dire qu'il l'a tué. Dis-moi où est cet entrepôt. Au bout du port. Mais il est plein de sang maintenant. Je vais aller à l'entrepôt, voir ce que je peux y trouver. Découvre l'identité du meurtrier, Mystios. Je vais empêcher ce Malaka de s'en aller. Je suis innocent. Tu verras. Ça a l'air d'être là. Oh, Malaka, quelle odeur! Oh, qui aurait cru qu'une teinture puant autant pouvait être si chère? Ce doit être l'arme du crime, couverte de sang séché. Et lourde. Le petit homme n'aurait jamais pu soulever ça. Oh, peu de sang, et la tête a été défoncée. Probablement par une massue ou une arme semblable. Ce bracelet a l'air précieux. Peut-être un cadeau des filles du dirigeant. Ou une tentative de faire accuser leur père. Qu'as-tu trouvé, Mystios ? J'ai fouillé l'entrepôt et j'ai découvert un bracelet en or et une lourde tablette de pierre couverte de sang. Tu vois, je t'ai dit que tu trouverais des cadeaux des filles du dirigeant. Ça ne prouve pas ton innocence. Quant à cette tablette de pierre... Une tablette ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Mystios, dis-moi qui a tué mon fils. Cette vermine ou le dirigeant de Citer ? Si le dirigeant du fort est aussi robuste que tu le dis, lui seul a pu soulever une tablette comme celle que j'ai vue. Je ne vois pas un voleur aussi maigrichon que lui se servir d'une arme pareille. Alors, va tuer le dirigeant de Citer. Tu seras payé quand il sera mort. Et fais en sorte qu'il meure lentement et dans la souffrance. Compte sur moi. Merci, Mystios, d'avoir lavé mon honneur.
forcément surveillée. Je dois rester prudente. Ah!
mais un cadeau de la déesse en personne. Et par les moires, elle a bien choisi. Tu me fais rougir, étrangère. Et je pourrais faire beaucoup plus. J'ignore à quoi tu penses, mais tu sais à coup sûr te battre. Je suis une prêtresse de l'amour, mais je sais mordre aussi. Et j'aime mordre. Il faut de l'audace pour attaquer une prêtresse. Tu dois être importante. Je suis Diona, une simple acolyte née pour servir Aphrodite. Ceux-là sont des chiens du culte du cosmos. Ce n'est pas la première fois qu'on attend à ma vie. Le culte ? Dis-moi ce que tu sais. Vite. Pas ici. Nous serons plus en sûreté en ville. Tu m'escortes ? Allons-y. À notre arrivée, tu pourras me dire tout ce que tu sais sur le culte. Je suis en sûreté ici. Le culte de Cosmos n'oserait jamais frapper en ville. Bien. Dis-moi ce que tu sais. Tout de suite. Laisse-moi au moins reprendre mon souffle et prendre le temps d'admirer ta divine silhouette. Assez bavardé. Dis-moi ce que tu sais sur le culte de Cosmos. Si tu insistes, nous avons toujours surveillé le culte. Mais depuis peu, il s'enhardit. Par les moires. Il a poussé ma sœur, la grande prêtresse, à s'enfermer dans ses quartiers. Un chef du culte a dû intervenir pour que ses membres tentent de tuer un personnage aussi connu. Nous n'avons pas affaire aux cafards habituels. Ma sœur m'a demandé de protéger Citer du culte et de démasquer l'adepte qui veut sa mort. Ça peut réussir. Ta sœur est intelligente. Sa méthode laisse à désirer. J'ai failli me faire tuer. C'est regrettable, mais son idée reste bonne. Alors aide-nous à protéger Citer et à démasquer l'ennemi. Par les moires, tu as vu ce qui s'est passé. Je n'y parviendrai jamais seule. Protéger Citer ? Je coûte cher, tu sais. Tu es bien une Mystios. Le culte a dressé des projets pour le monde grec. Grâce à mes dons, je sais ce qu'il compte faire et où il va agir. J'imagine que de telles informations te seraient utiles. Mais si ça ne suffit pas à te satisfaire, je le ferai. Eh bien, cela fait un moment que je n'ai pas... communié avec les dieux. Ne t'en fais pas. Tu toucheras aussi des drachmes pour tes services. Tu as un grand talent pour négocier. Bon. Que faut-il que je fasse ? Trois tâches extrêmement simples. Avant tout, mon associé au port a besoin d'aide. Va le voir. Quoi d'autre ? Ma sœur soupçonne une trahison dans nos rangs. Si elle a raison, elle aura besoin de toi. Va la voir au temple. Enfin, les prêtresses affectionnent les lames empoisonnées. Mais des bandits ont volé nos apothicaires. Sont réfugiés dans les ruines mycéniennes. Quand ce n'est pas le culte, ce sont les bandits. Récupère nos fioles de poison. Elles nous seront utiles pour affronter le culte. Ton associé, où vais-je le trouver ? Demande à voir un certain capitaine à la taverne du port de Scandeia. C'est l'ivrogne agaçant. Le temple, où est-il ? Au guet d'Aphrodite, au sommet de la colline. Tu y trouveras la grande prêtresse, réfugiée dans ses quartiers. Comment rejoint-on les ruines ? Les ruines mycéniennes sont au sud de la ville, au nord de la baie de Scandeia. Les fioles de poison devraient être dans un sac. Il sera probablement dans un coffre, parmi les ruines.
fais-y très attention. Je ferai ce que je pourrai pour Citer et pour toi. Merci, Mystios. Peut-être que, quand tout sera fini, nous pourrons nous détendre ensemble. Une chose à la fois, Diona. À plus tard. Je l'ai en vue. Ça ressemble aux ruines dont a parlé Diona. Mieux vaut me tenir sur mes gardes. Ne crois pas ce serpent! Ra, saleté de Mystios! Je veux qu'on le trouve! Nécrate, je m'en occupe! Hein? Encore là-bas. Soyez tous sur vos... Il doit mourir. Ah, tu vas crever.
Choisis un autre chemin, voyageuse. Il y a du danger plus loin. Et pourquoi ça ? Voici ton sac d'apothicaire. Grâce à cela, nous allons pouvoir préparer les prêtresses au combat. Excellent travail, Mistios. J'ai d'autres questions. À mon sujet ? Peut-être ? Ton associé, où vais-je le trouver ? Demande à voir un certain capitaine à la taverne du port de Scandeia. C'est l'ivrogne agaçant. Le temple, où est-il ? Au guet d'Aphrodite, au sommet de la colline. Tu y trouveras la grande prêtresse, réfugiée dans ces quartiers. Ton associé ? Demande à voir un certain capitaine. Je vais revenir.
J'imagine que tu es le capitaine du port. J'ai dit que je paierai une fois que j'aurai été payé. C'est Diona qui m'envoie. Selon elle, tu as besoin d'aide. Diona ? Attends un peu. Tu es qui, toi ? Je ne fais que l'aider. Elle a des informations que j'aimerais connaître. Tu mens ! Je parie que tu as plus envie d'elle que de ses informations, n'est-ce pas ? Dis-moi simplement ce qu'il faut faire. Tu penses pouvoir te débrouiller mieux que moi, hein ? À vrai dire, oui, beaucoup mieux. D'accord. Tu veux montrer à Diona ce que tu vaux, c'est ça ? Les soldats sont une vraie plaie ces temps-ci. Ils ont emmené des mercenaires qui intéressent Diona à l'entrepôt fortifié. Elle a besoin que tu les libères. Je peux m'en occuper, mais ça sera cher. Si jamais tu reviens en vie, je me chargerai moi-même de te farcir la bourse de drachmes. Marché conclu. Mais avant, j'ai des questions. Libérer des prisonniers, c'est de la trahison. Pourquoi veut-elle faire ça ? La grande prêtresse est anxieuse. Elle voit le mal partout et elle a ordonné d'enfermer toute personne suspecte. Mais ceux-là ne sont que des mercenaires qui s'occupent de leurs affaires. Les affaires d'un mercenaire sont rarement les siennes. Quoi qu'il en soit, Diona veut les engager pour lutter contre ses ennemis. Laisse-moi deviner. Les seuls gens en qui elle a confiance sont ceux qu'elle paie. Exactement. Enfin, moi y compris, bien sûr. Qui est Diona pour toi, au juste ? Je suis son amant. Et celui qui va l'aider à se débarrasser de ses ennemis. Je le lui ai promis en échange de... Mais pourquoi je te raconte tout ça ? Je me fiche de ce que tu penses représenter pour elle. Elle se sert de toi, car c'est moi qu'elle aime. D'accord. Si ça te fait plaisir de le croire. J'en sais suffisamment pour agir. Tu ferais bien de préparer tes drachmes. Reviens quand ce sera fait. Si toutefois tu réussis à quitter ce camp en vie. Le voilà. Il est là-bas. Trouvé. Je ne veux pas mourir ici, Mistios. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir de là, avant que les gardes reviennent. Ils me rendent fou, ces sifflements. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu viens faire ? Tu es comme un rat.
J'ai libéré les prisonniers du campement militaire. Il y en avait 3. Tu les as tous eus ? Oui, les 3. Aussi chevelus que des œufs. Alors, tu dois être plus doué que tu n'en as l'air. Dans ce cas, Diona a encore besoin qu'on lui rende un service. Quelqu'un doit mourir. Je t'écoute. Les ennemis de Diona ont des hommes sur l'atoll de Kitra. Ils comptent utiliser ce lieu pour lancer des attaques contre Citer. Il faut que tu éradiques cette vermine. Je débarrasserai cette île de tous nos ennemis. Ta modestie est une vraie leçon pour tous, Mistyos. Ne les sous-estime pas. On m'a souvent dit cela. Ce sont plutôt les autres qui me sous-estiment. Bon, assez bavardé. Elle veut que tu élimines le capitaine là-bas. Ensuite, ses hommes se disperseront. Mais tu les quand même tous. Tu es d'accord ? Je vais m'en charger. Que peux-tu me dire de plus ? Mais il n'y a plus rien à dire ! Va le tuer et puis c'est tout ! Tu sais où je pourrais trouver le capitaine ? Cette sale fouine ! Il devrait être près de l'épave qui est sur la côte nord de l'atoll de Kitra. Moi et quelques compagnons, nous avons réussi à couler son navire. Mais sans éliminer tout l'équipage. Lui et ses hommes seront certainement prêts à t'accueillir. Quel est le chemin le plus rapide vers l'atoll de Kitra ? Navigue au sud depuis la pointe sud de Citer, jusqu'à ce que tu trouves une épave. Dis-moi ce que tu sais sur le culte. Quel culte ? Le capitaine n'en fait pas partie. Ça pourrait être un dieu ? Je m'en fiche ! Diona a dit qu'il veut sa mort parce qu'elle l'a repoussé. Et que le seul moyen pour nous d'être ensemble, c'est que cet homme disparaisse. C'est ce que tu cherches aussi, non ? Obtenir ses faveurs. J'ai déjà ses faveurs.
Et lorsque j'aurai tué le capitaine, ce que tu n'as pas su faire, elle t'oubliera. Tu n'y serais pas parvenu sans mon aide. Diona se souviendra de tout ce que j'ai fait pour elle. Elle ne peut pas simplement m'oublier. Oh si, j'en suis sûre. J'en sais suffisamment. On fera parvenir une jolie somme à ton navire quand ce sera fait. Parfait. Va, fiche le camp. Et ne t'avise pas de retourner voir Diona. Sinon quoi? Sinon, je... Ah! Va-t'en!